C'est ce jeu-là, je sais pas ce que c'est. Tiny Kin. Tiny Kin. Bon, on va rester sur Holy World, hein. Je vais me mettre en discussion, comme ça il y aura pas de problème. Et ouais, Far Cry 5 arrive le 1er juillet, c'est ça. Et avant, il y a un autre jeu qui arrive, il y a Naraka qui arrive aussi. C'est une vidéo, ça. Ça, c'est purement du non, ils ont pas mis le 6, c'est le 5 qui est très bien, le 5, hein. Ça, c'est du Pikmin, même au niveau du fait qu'il n'y a pas de voix, tu vois, c'est vraiment du Pikmin. Bon, on va passer le début. Ouais, on l'avait vu au... Ah, c'est en français, c'est bien. Ouais, c'est vraiment Pikmin. C'est vraiment Pikmin. Ah, c'est joli. Ah, c'est cool. C'est dommage, c'est en 30 FPS. Alors, qu'on soit clair, je suis pas contre un jeu en 30 ou en 60 FPS. Mais en fait, ça dépend d'autres facteurs. Tu vois, là, le jeu, graphiquement, il est pas ouf. La DA est jolie, mais tu vois, le jeu ne demande pas tellement de ressources. Et quand on est sur Xbox Series X, Series S, pardon, en 1080p, ben pour ça, j'aimerais bien du 60 FPS. Après, voilà, c'est en 30, je vais faire avec. Mais c'est pour ça que je dis que c'est dommage que c'est en 30. Ça ressemble à Don't Starve, en fait. C'est en 2D? Non, il est en 3D, le personnage, mais... Ils ont tout dessiné comme si c'était en 3D. Ok, tu peux sauter. Donc t'es quand même un peu plus mobile que Olimar, quoi. Ouais, c'est bien. En fait, tu peux juste planer. C'était la fête de la musique. Ah ouais, c'est vrai. En fait, j'écoute de la musique trop particulière et du coup, à la fête de la musique, moi, je trouve jamais rien qui me plaise. Après, tu me diras, je peux aller dans un bar, mais bon. Non, ça rame pas, mais tu vois, par rapport au graphisme du jeu, je pense que ça aurait pu tourner en... Alors, je comprends pas comment... C'est moi qui... Ah oui, d'accord. Je dois tourner autour. C'est un peu bizarre. Alors, je comprends que la perspective est un choix, mais c'est assez bizarre. T'es obligé de te mettre sur le côté. Ou bien c'est moi qui ai l'air. Ah. Ok, faut double-cliquer. Okay. C'est pas très... En fait, faut vraiment double-cliquer vite, tu vois, pour pas que tu tombes un peu. Parce qu'en fait, il tombe très vite. Et du coup, quand tu mets la bulle, faut vraiment, dès que tu sautes, tu double-cliques. Ça, la démo là. Ouais, la démo, elle est là. Je sais plus, j'ai été... Attends, je te montre où j'ai été. J'ai été là, dans le store. Xbox. Et en fait, là, t'avais ça. Idée at Xbox Demo Festival. Et en fait, quand j'ai été là, j'ai vu plein de jeux. Et du coup, tu sais, j'ai regardé toutes les vidéos.
Et à chaque fois qu'une vidéo me plaisait, tu vois, comme là, je me suis dit, bon, allez, fuck, hop, tu vois, j'ai fait ça et j'ai téléchargé. J'ai fait ça sur plein de jeux, tu vois. Là, Shadowrun. Despot Games. Après, j'ai pas tout installé parce qu'il y a trop de démos. Mais je trouvais ça cool. Overpass. Allez, on va prendre Overpass aussi. Les Tinikin me suivent. Je crois que j'aime beaucoup ce jeu. Même s'il est un peu bizarre. Le fait que le personnage, on le voit toujours de face. En fait, c'est pas gênant, mais tu vois, quand t'es là... Ah, là, c'était un bug, alors. Tout à l'heure, je pouvais pas sauter derrière. Du coup, c'était bizarre. RT pour... Donc là, je peux les faire porter ça, par exemple. Il m'en faut 30. J'en ai pas 30. Ah, d'accord. Il faut que je trouve 30 bestioles, quoi. C'est comme Pikmin. Franchement, il est bien. Je sais pas si ce sera dans le Game Pass. J'ai pas regardé. Le seul truc qui me fait chier, c'est les doubles sauts, là. Mais bon, tu vois, voilà. Là, par exemple, je suis tombé pour rien. Parce que le double saut, il réagit pas bien. Enfin, pas, c'est la bulle qui réagit pas bien. Tu vois, faut vraiment double-cliquer. À la limite, si tu n'arrives pas d'appuyer sur A, ça fait quoi? Ouais, ça enlève la bulle. Il faut vraiment être précis, faire hop, hop. C'est un peu frustrant. Franchement, j'aimerais juste que... Voilà, là, je suis tombé, tu vois. Et là, j'ai double-cliqué, tu vois. Ouais, et là, j'ai encore double-cliqué. En fait, des fois, ça, le timing, il est... Si tu fais pas le timing, t'as pas la bulle. 26 bestioles. Je trouve ça un peu... Oh, trop bien. Tu vois, moi, je serais eux. Là-dessus, j'aurais mis des bruits de tambour. Tu vois, j'aurais mis du vrai bruit de tambour. J'aurais fait doubou. Comme ça, après, tu peux déjà faire de la musique. Et bon, c'est déjà bien. On est 30, je crois. Hein. The Plucus Player. Ah ouais, le jeu qui où t'es en 3D et tu ça se met en 2D après. Ah ouais, j'ai réussi à bouger. Truc. Ouais, je me souviens. Qui ressemble à... A Link Between Worlds. Hop, let's go. On peut courir dans le jeu? Non, en fait, il court tout. C'est bien comme jeu. Pourquoi il en manque deux? C'est vraiment des Pikmin, hein? Ils ont les mêmes bruits et tout. Hé! Hé! Lequel? Celui que je joue? Là, il est pas sorti. C'est une démo. C'est la démo de la Game Fest. Et l'autre, il est pas sorti non plus. Non, lui, il est pas sorti. C'est juste la démo de la Game Fest, la Summer Game Fest. J'ai oublié de faire les démos. En plus, j'avais dit que je devais les faire justement. En fait, ce genre de démo. C'est ça, c'est juste la démo. En fait, c'est le genre de démo que d'habitude t'as sur le salon de jeux vidéo. Et là, en fait, ils les mettent. Avec le Covid, en fait, ils ont décidé de les mettre à disposition des joueurs directement. Donc c'est un peu comme si t'étais à l'E3, quoi. Franchement, il est bien, mais franchement, je l'aurais pris sur Switch. Alors, en fait, pour récupérer des objets, d'accord. Pikmin reste quand même au-dessus parce que...
En fait, on dirait un Pikmin indé, tu vois. On n'a pas encore avancé dedans. Dans les Pikmin, t'as vraiment le côté des Pikmin rouges, bleus, qui se font bouffer. Apparemment, j'ai un skate savon. Celui-là, il est plus orienté plateforme, c'est-à-dire ton... Dans Pikmin, ton personnage est vraiment handicapé. Et là, ton personnage, il est vraiment agile, en fait. C'est trop mignon. Allez, let's go. D'accord, ça c'est un hub en fait. C'est-à-dire que c'est un hub dans lequel tu vas dans plusieurs niveaux. Il veut des artefacts qu'on lui a volés. D'ailleurs. Pikmin aussi se passe par niveau. Après, c'est cool que ça se passe à l'intérieur d'une maison plutôt qu'à l'extérieur. Ça permet de différencier encore une fois de Pikmin. Mais c'est marrant, pendant des années, il n'y a personne qui a pensé. T'as un Master of Anima qui ressemble aussi un peu à Pikmin, dans le principe. Et t'as un jeu qui s'appelle Overlord aussi. Prenez la clé là. Voilà. Elle est où avec la clé? Ah, il faut ouvrir la porte, d'accord. C'est débile, eux ils peuvent voler quoi. Si tu le changes. Ouvre la porte. Quand tu changes de pièce, tu gardes pas tes Pikmin avec toi. Donc tu peux pas avoir des scores comme dans Pikmin, genre avoir 300 Pikmin, ça tu peux pas. D'accord, en fait, mais si tu voyages, ils vont m'attendre. Ok, ok, ok. Oh! On doit les affronter. Oh, mais c'est immense. Ah, c'est très joli. J'aime beaucoup. Les tardigrades. Les musiques sont cool. Faut que je trouve une relique. Ouais, je passe très vite les dialogues. J'avoue que l'histoire me passionne pas plus que ça, en fait. Punaise. Pourquoi elle est mal faite? Il y a une punaise, elle est... La texture, tu vois, celle de droite, elle est pas terrible. Elle est vraiment dégueulasse. Il va falloir la redessiner. Hein. Parce que je sais pas pourquoi, ils ont dû... Regarde, la texture, elle est en lourèze. Mais bon, on répète, c'est un jeu en développement. C'est même pas une vraie démo. Bon, je vais prendre des rouges. Ah ouais, c'est ça, des rouges. Du coup, les rouges, ils font quoi? Ils sont morts. Merde. Je croyais qu'il mourrait pas en fait. Je pense pas que c'est fait exprès parce que c'est trop maladroit. C'est ça qu'on peut tuer. Hein.
Il le repousse pas. Apparemment, je peux pas aller dans l'eau en fait. C'est pas du tout ce que. Mais en fait, tu peux pas sauter quand t'es dans l'eau, c'est nul. Là, je peux pas sauter. Non, par contre, ouais. Ça, c'est nul par contre. En fait, il y a quelques défauts et c'est dommage parce que. Ouais. Et c'est dommage parce que ça va entacher le gameplay auprès de journalistes. C'est-à-dire, dans 2 mm d'eau, tu vois, là, je mets le pied là, je peux pas sauter. Là je peux pas sauter parce qu'il se noie. Oh, c'est trop bien ça. Ça j'aime bien, tu vois. Ce genre de petite interaction là, c'est bien. J'aime bien aussi qu'on n'est pas trop dirigé dans le monde. Comme jeu. Pas autant que Holy Holy World, le jeu le plus satisfaisant au monde. Ouais, il est vraiment vraiment cool. Ah oui, d'accord. Je croyais que la bulle c'était à l'infini, moi. Ah, ça va être dur, ça. Juste les sauts, je les trouve un peu difficiles. Peut-être qu'il devrait être un peu plus lunaire, tu vois, il devrait retomber peut-être un peu moins vite. Moi, ça me dérange pas trop, mais je pense que pour quelqu'un qui débute le jeu et tout, ça peut être frustrant, tu vois. De manière globale, c'est surtout les sauts avec lesquels j'ai un peu de mal. Ah yes, un raccourci. Je pense que les rouges, ils repoussent au bout d'un moment. Parce que imagine, t'as niqué tous les rouges, tu vas pas recommencer le niveau. Franchement beau gosse. Pas de lumière violette. On va essayer de monter. J'adore les jeux d'exploration. Moi, je sais déjà que c'est un coup de cœur ce jeu. Il y a tellement d'endroits à explorer, j'adore. Après, ça plaira pas à tout le monde, parce que... Tu vois, tu peux passer des heures à ne rien faire et t'es même pas sûr que t'es en train d'avancer dans l'histoire, quoi. Il est trop bien. Oh, mais c'est génial! C'est génial! C'est... En fait, il faut lui ramener son nez à lui. Tu vois, il faut ramener son nez. Ça me rappelle un peu Mario 64, tu vois. Ce côté où t'as des... Pas des étoiles, mais...
Ça, c'est quoi déjà? Ah, et ça fait des raccourcis. Ok. Très très bon level design. Hein. Je sens que c'est pas des niveaux faits au procédural. Quoi. Excellent. La sensation de hauteur et tout. Au début, j'avais un peu du mal avec le perso qui me regarde tout le temps, mais en fait, tu t'y habitues assez vite, en vrai. Génial. Génial. Ta grosse découverte. Franchement, par contre, je suis coincé là. Non, ah, j'ai vu. J'ai failli tomber. C'est combien d'heures la démo? Je sais pas du tout. Je pense que t'en as facilement pour 2 ou 3 heures. Parce que vu tout ce qu'il y a à explorer, je pense qu'en ligne droite, tu peux la terminer très vite. Mais si tu explores le monde, tu vois là, je suis monté là, t'as la tente au milieu, t'as en dessous du fauteuil où j'ai pas été, regarde comme c'est haut, t'as en dessous du fauteuil, t'as le piano, j'ai pas été au piano, tu vois tout à l'heure j'ai ouvert le truc, j'ai pas été en face sur l'armoire, et moi j'aime bien explorer que le même côté, un peu comme quand je mange, j'aime bien manger que du même côté et après... Mais je pense que ça va pour 2-3 heures facile. Là, je sais même pas combien de temps ça fait que je joue. Abda 13, il a quitté la ville. Il a fait non, moi. Moi, c'est pas Far Cry 5. Je dégage. Ça va prendre ça? C'est quoi ça? C'est pas le nez? Ah, mais c'est le nez! Attends, on va essayer de récupérer le nez. Les lunettes de réalité. Oh, c'est trop bien! Tu peux chercher. C'est vraiment un jeu d'exploration. Et c'est pas comme Pikmin, je retire ce que j'ai dit. Parce que Pikmin, en fait, t'as le côté stressant de la journée qui passe et tes Pikmin qui se font bouffer et tout. Là, c'est plus un jeu d'exploration où t'es avec tes bestioles. Tu prends ton temps à explorer. Hop là. Et là, par exemple, tu vois, j'ai trouvé le nez, mais je sais plus où est-ce qu'elle était, la bestiole. Je crois qu'elle était... Je crois qu'elle était juste en dessous. Là. Si je tombe là, ça fait quoi? C'est pas là? Ah, c'est là. Yes! Ah d'accord, c'est vraiment les trucs en or là. C'est comme les étoiles de Mario. J'arrive pas à l'attraper. Ça a bugué un peu là. Hein. Si tu tombes de trop haut, tu meurs. On va essayer? Non, je vais pas essayer. Putain, j'ai peur d'essayer. Là, ça me ferait chier de remonter. Attends, où est-ce que je peux remonter? Ah oui, c'est bon. Je peux remonter là. Donc on va essayer. Ouais, tu meurs. Mais tu reviens là où t'étais. Donc, ça va. On va explorer en face. Hein. Attends, j'ai pas pris ça là-haut. Alors, c'est bizarre que j'ai pas pris ça. Parce qu'en fait, avec mon savon, ça veut dire qu'ils ont... Alors, c'est... Tinikini s'appelle le jeu. Je crois que j'ai cherché, mais il n'y est pas dans le... Ah, si, il y est. D'ailleurs, je ne trouvais pas dans... sur Steam.
C'est un espèce de jeu que je te dirais créerait comme un mix entre un jeu d'exploration et un Pikmin. Pikmin parce que tu récupères des bestioles et qu'il te faut un certain nombre de bestioles pour déplacer des objets. Mais exploration parce que contrairement à Pikmin, tu dois pas survivre. Tu dois juste trouver, t'as des mini-énigmes dans le monde où t'es et tu dois explorer et tu dois trouver comment explorer ce monde. Et au fur... J'irais même que t'as un côté Metroidvania parce que t'as des objets, par exemple moi j'ai ça, c'est un petit savon que j'ai trouvé. Avec ce savon là, je vais pouvoir monter sur le fil et je vais pouvoir aller en face. Et je t'avoue que j'aime vraiment beaucoup le jeu. Je sais pas pourquoi, enfin... Là j'aime beaucoup. Et ce qu'il faut récupérer, j'ai vu, c'est ces trucs en or là. Et les petits Pikmin, tu les as dans ça là. Les petites bulles. Et du coup là j'en ai des explosifs par exemple, et je vais exploser ça. Bam. Un Rubik's Cube. Et j'aime beaucoup comme jeu. Par contre, je sais pas comment arrêter de jouer à ce jeu. Attends, mais en fait, je peux balancer des bestioles. Comment on change ? On va voir comment changer de bestiole par contre. Il va forcément y avoir un moyen de changer de bestiole, tu vois. Non, je peux pas changer. C'est un peu... c'est pas que c'est nul, mais bon. Trop bien, on va aller voir ce qu'il y a. Ah, en fait, quand ils explosent pas, ils reviennent. Tu vois, quand tu les lances comme ça, ils reviennent te voir. Donc c'est cool, en fait. Parce que moi, je pensais qu'ils explosaient, alors j'avais peur de les lancer sans faire exprès. Le mec, il s'est marré, le mec qui était ici, putain. C'est tout ce qu'il y avait ici. J'ai récupéré 4 bombes. Tu vois, j'ai un verre, là. Je pense qu'on peut le déplacer. Ah! C'est trop bien. En fait, tu peux le déplacer en lançant dessus. Et je veux ça aussi. Ça, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, mais on va le prendre avec nous. T'as vu, là, il y a plein d'or. Oh, mais c'est franchement, c'est pas le genre de jeu qu'il faut me laisser entre les mains. Vous savez que je peux passer la soirée là-dessus. Je peux passer des heures et des heures juste à explorer. Explorer, c'est un truc que j'adore faire dans les jeux. Merde. Explorer et looter. Par contre, le système de saut, faut vraiment que tu le revoies. Hein. Ça là-haut. Boum. Oh, bam. Tu crois que ça faut le déplacer? Ah, il a pas. Je vois pas à quoi ça sert. Par contre, j'ai vu des bébêtes là. Je sais pas si c'est dans le Game Pass. En tout cas, actuellement, tu as la démo dans le Microsoft Store. Attends, je vais te dire, c'est dans le Game Pass. Si, c'est dans le Game Pass. Tu sais pourquoi je dis que c'est dans le Game Pass? Parce que là, c'est ID at Xbox. Et les ID at Xbox sont des jeux financés ou aidés par Xbox. Donc, normalement, il sera dans le Game Pass, du coup. Mais je sais pas quand, par contre. Donc ça, c'est que des jeux que Microsoft a... Ouais, c'est ID at Xbox Demo Fest. Donc, c'est des jeux que Microsoft aide. Donc, si Microsoft les aide, c'est que ce sera dans le Game Pass, tu vois.
Le 30 août, merci. Ah, le 30 août déjà. Ah ouais, d'accord. Ah, 30 août, c'est le 1er septembre, quoi. Ouais, c'est fin d'été. Mais c'est bien, c'est bien. Attends, ça, je vais le déplacer. Ok. Attends, on va au piano, là. Mais c'est pas là où on voulait aller. J'ai un carré, mais je sais pas ce que c'est. Là, je vois pas ce que c'est. Il y a un resto en bas. Qu'est-ce que ça peut être, ça? J'ai peur qu'il faille monter plus haut. On va aller là. En fait, je vais exploser le piano. Pourquoi là, je peux pas remonter? Je peux remonter. Sacré grille, là. Hein. Là, la musique. Ah, ils... pas qu'ils ont raté, mais ils ont... ça quand même, même si ça m'a l'air de servir à rien. Qu'est-ce que t'as toi? Et toi tu n'aurais pas vu la... ma fille Mélodie. Okay. Faut j'aille au resto. MDA, ta belle, t'as une petite bête. Elle porte quoi depuis tard? Bah je sais pas en fait, j'ai trouvé ça mais je sais pas ce que c'est, du coup je vois pas où ça va. Ah c'est un bouton play! Ça doit être un truc pour un autoradio. Et je pense qu'en complétant l'autoradio je vais avoir... Je pense qu'en complétant l'autoradio je vais avoir une grosse pépite d'or. Par contre, leur concept, j'ai vu qu'il faut que tu ramasses un maximum de points. Ça, je pense que ça se pète, tu vois. Mais je sais pas comment. Peut-être ça, là. Ah, ça, c'est trop bien. Donc, ça va pouvoir retourner de l'autre côté. De toute façon, on doit aller au resto. Ça tombe très bien. Hop là. Voilà, j'ai 1591 pièces d'or à retrouver. Oh! Putain. C'est bien, même quand tu tombes. Salut Général Killa, comment tu vas? Même quand tu tombes. Même quand tu tombes, t'es récompensé, c'est trop bien. Ah merde, merde. Hop là. Par contre, j'ai marre de les voir porter, je sais pas ce qu'ils portent. Un autoradio. Ah, c'est là-bas, il y a un truc de cassette. Attends, je sais où c'est. Ça va et toi? Como esta? Putain, c'est trop bien de faire des raccourcis comme ça. Ah, là, il y a une petite fille. Je crois que c'est elle. Non. Peut-être elle. Peut-être là, hein, parce que là, il y a ça. Il a vu quelqu'un qui me ressemble. C'est pas elle? Qu'est-ce qu'elle a fait tomber? Une nouvelle table noire. Ça va, je vais être d'auto, je fais mon tour habituel. Bon bah c'est cool, merci d'être passé Général Killa, ça fait super plaisir. Bah bonne nuit à toi. Et c'est toi qui a l'initiative de Boumapou Sub, j'ai cru comprendre.
Il me reste combien? Il me reste qu'un explosif. Je vais le garder, ce explosif. C'est pas de l'or, les lumières là. Si, c'est de l'or. Mais en fait, j'ai plus beaucoup de bombes. Tu vois, il m'en reste qu'un. Du coup, je vais le garder. Dans les 4. Mais je vais les garder parce que... Bon, au cas où que dans une énigme, j'en ai besoin. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la table, là? Les bestioles, elles sont parties avec la table. Je sais pas où elles sont parties. Attends, sérieusement, elles sont parties où? Mais où est-ce qu'elles vont? Les bestioles, elles sont barrées avec les... Attends, je vais récupérer ça. Ah, mais c'était pas une table. Putain, j'avais pas compris. Les 20... Non, j'ai vraiment... Du coup, ma pousse-up, j'ai vraiment pas... Vraiment plus... Oh, mais c'est trop bien! Eh mais je surkiffe ce jeu. Ce jeu est une perle. J'adore ce jeu, ce genre de jeu où tu fais des trucs, tu avances. Attends, mais on avait commencé à souffler. Ça souffle, c'est génial. Non, j'ai pas trop suivi les 20. En fait, j'ai pas tout compris de la manière dont ça fonctionnait. Mais j'avoue que j'ai regardé d'un œil rapidement sur le site. Après, cette fois, je suis pas consistant en stream. Je veux dire, vraiment, je cours pas après les subs. Ce qu'en fond, ça fait plaisir, tu vois, c'est cool. Après, je t'avoue qu'à moins d'avoir une très grosse communauté, c'est compliqué, Twitch. Moi, j'aime bien Twitch pour le plaisir. Après, je sais qu'il y en a qui sub, je pense à poser 7-7 pour encourager et pour troller. Et puis, ça entretient aussi Twitch lui-même, parce que Twitch, s'il n'y a pas de sub, la plateforme même ne marche pas, tu vois. Il s'arrête là. Alors, comment on fait pour aller en face? Par contre, les gars, je sais pas comment je vais arrêter de jouer à ce jeu, parce que... Vraiment, je suis super accro, là. C'est le genre de jeu où je veux toujours voir ce qu'il y a après, tout le temps, tu vois. Et tu vois, là, je suis dedans, t'es à l'intérieur. Les subs, c'est pas les viewers, mais les participants. C'est pas les viewers, mais les participants. J'y comprends pas tribbling. Il y a des trucs en bas, là. Ah, il y a des trucs en bas. Ça me rappelle Mario, ce jeu. Moi, je le prends direct à boire. Mais il est dans le Game Pass, poser 7-7. Faut que je prenne ma bouteille d'eau. Elle est là, ma bouteille d'eau, mais j'ai pas mis de l'eau dedans. J'espère aussi... Après, je sais pas combien de temps ça prend, comment ça se passe. J'avoue que je suis pas très intégré aux communautés Twitch. Enfin, j'ai un peu du mal à Twitch avec quelqu'un d'autre. Surtout quand je connais pas très très bien. Enfin, j'arrive à toucher avec mes viewers, toucher avec d'autres viewers. Après, je sais pas du tout comment ça se passe en fait. T'as vu, la musique, elle change à l'intérieur. Par contre, c'est bizarre. Ah oui, d'accord. C'est plus un jeu de plateforme. Il est vraiment génial, ce jeu. Il faut vraiment que j'en parle. Hein. Je crois même que je vais en parler dans la minute gaming. Mais dommage, je sors fin août. Parce que je veux faire mon prochain épisode, je pense que je vais faire sur les jeux de l'été. Ah, elle est là, la fille. Attends, combien il faut pour péter ça? 4. Le FFS de Zerator. Vous regarderez. Fight for sub, FFS. Attends, la pièce, elle est énorme. Tu vois, je dois péter ça. Attends, je vais récupérer la pièce. Ah, c'est les artefacts. C'est trop bien. Et contrairement à Mario, quand tu récupères un truc, ça arrête pas le jeu, tu vois, tu continues de jouer. Par contre, là, je pense que... C'était peut-être inutile, ça.
Ouais, j'ai peut-être usé 4 bombes pour rien. Bah là, je crois que j'ai tout fait. Sauf ça, là. Comment on tombe là-dessus? Et là aussi, j'ai pas fait ça. C'est de l'eau, ça. Ouais, ça, c'est de l'eau, ça va me tuer. Putain, je suis trop gourmand. Je suis trop gourmand, je vais me planter. Bah, le regarderai, je connais pas du tout. Après, je suis. J'ai pas une grande culture. Ah, oh, trop bien, musique. Et ça bug un peu, tu vois, une fois sur deux, quand je saute, y'a pas la musique. J'espère qu'ils vont arranger tout ça, c'est trop. Ouais, j'aime trop les trucs comme ça dans les jeux. Attends, j'avais dit qu'on allait au truc autoradio. Attends, on va aller là-bas. Parce qu'en fait, là, j'ai vu une autoradio, là. Là. Et je pense que c'est là qu'il faut mettre le bouton play. Sur l'iPhone. Bizarre, j'aurais juré que c'était là. Apparemment, c'est pas là. Il y a écrit quand tu fais start ce qu'il faut que tu fasses. Remettre en état le lecteur CD. D'accord, en fait, depuis tout à l'heure, je me trimballe dans le jeu, mais je fais pas tout ce qu'il faut faire, quoi. Mais je pense que le lecteur CD... bah, du coup, il doit être au début du jeu. Tiens, on va arrêter ça. Je sais pas ce que c'est. Non, on est dans une boîte en fait, y'a rien d'autre. Il est où le lecteur CD? Il y avait un bouton pour les jumelles. Ah bah tiens. Vraiment cool comme jeu. Même si ce putain de lecteur CD, je sais pas où il est. Ah, ça, c'est une bague. Ils te disent où sont les objets, en fait, hein. Ça a l'air chaud, par contre. Hein. Ça, tu peux... Ah, faut un tournevis. Pourquoi j'ai ouvert ça? C'est pas du ouvert. Ah, une deuxième lettre. D'accord, en fait, il y a 4 lettres dans le niveau. C'est trop bien. En fait, ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est que sans parler, tu comprends les choses. Oh, des croissants. Je vais te bombarder tes trucs, toi, là. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte, lui?
ça a pété. Allez! Voilà. Alors en fait, j'ai pas trouvé le lecteur CD là. Merde. Ouais, vraiment, je confirme, le seul défaut du jeu, c'est vraiment les sauts. Franchement, si les sauts étaient un poil plus intuitifs, ce serait nickel. J'ai trouvé la touche, mais j'ai aucune idée de... Où est-ce qu'un lecteur CD pourrait être? En fait, j'ai trop de bestioles. Je crois que je les ai presque toutes trouvées parce que j'ai trop exploré. Comment tu grimpes là? Ah oui, j'ai vu. Je suis trop bas. Qu'il y a, petite bestiole. Ah bah, moi, il est coincé là-dedans. C'est vrai que tu m'as fait user des bombes pour rien. Ça va, je les ai récupérés, mais pas deux fois, hein. C'est bizarre, méchant. Ah, il y a là. Putain, j'en ai marre d'user mes trucs pour rien à chaque fois. J'ai l'impression que tout ce que je fais là sert à rien. C'est pas ça la télé là? Lecteur CD. Comme une église en fait. Mais vraiment, combien de niveaux il y a dans... Il y a plusieurs niveaux déjà, puisque... Au début, tu vois qu'il y a plusieurs niveaux. Je ne sais vraiment pas où il est le lecteur CD, hein. Ah!
aucune idée de ce que c'est. Bien fait de pas user mes Pikmin rouges. Ah oui, d'accord. Oh, faut passer par là. Faut passer par là, mais ça a l'air compliqué là. Ok, je veux l'appareil photo. Ah bah y'a appareil photo. J'ai pas assez de best friend, d'accord. J'avais pas assez parce qu'elles sont en train de faire un truc bizarre là. Alors, on va pas faire ça. Par contre j'en ai combien des rouges? 6. On va d'abord ouvrir le chemin. Et après, on verra si on en a assez. Non, c'est même pas ça, tu vois, que je veux. Putain, on a 3 là. On va quand même les récupérer. Les 3 petits Pikmin. Alors, je sais pas, j'ai eu un bruit. Je pense que j'ai eu plus de 50% des trucs de la... du niveau. Ça y est tombé. J'ai réussi! Et en fait, si je pète bien comme il faut les choses... Voilà. Et par là aussi. Voilà! Il y a la pièce aussi qui manque. J'ai vu le lecteur, il est là. J'ai la pièce play. Par contre, le play, je trouve, il est mal dessiné. Ils auraient dû mieux le dessiner. Non! Ça a planté. Oh non! J'ai la haine. Oh, j'étais bien dans le jeu. C'est cool, le système de sauvegarde a l'air pas mal branlé. Par contre, si j'avais dû recommencer, je vous avoue que j'aurais arrêté. En fait, je veux aller réparer ça là. Réparer la PlayStation. Il manque maintenant un CD. Mais attends, ça m'a niqué mon truc là.
qui avait réparé ça. C'est un peu nul ça, hein. J'aurais dû mettre un vrai câble, parce que là... Qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a une cavité dans la machine. Il manque un genre de très grosse pièce ronde. Essayez de déchiffrer sa machine cryptique. Oui, je sais bien qu'il faut un CD. Je sais pas où il y a le CD. Oui, c'est le bouton. Le bouchon, le bouton manquant. Où est le CD? Je sais pas où est le CD. C'est vraiment une église en fait. Ça donne trop la pêche comme jeu. Attends, il y a un truc. C'est là-dedans. Apparemment, c'est dans le crapaud. Ah d'accord. Juste ça. C'est pas un CD. T'es accro, c'est bon. Bah en fait, ouais, franchement je kiffe. Mais là je cherche juste le... Il me manque que le CD pour finir une quête. Je sais pas où il est. Il y a des trucs là, non? Où est le CD? Je l'ai pas vu là, le CD. Et moi, tous les jeux où t'as de la musique, c'est un peu musical et tout, tu peux être sûr. Ah, c'est ça le CD! Voilà. Tu peux faire ça? Ah, trop bien! Je suis le patron. Ah, attends, je vais chercher ce truc-là. Tu vois, j'ai même pas exploré toute la partie gauche là. Je sais même pas combien de temps j'ai joué au jeu. Par contre, quand j'ai mis le CD et que ça marche, je m'arrête là. Non pas parce que j'aime pas le jeu, hein. Juste que... Je vous ai dit, ce truc-là, je peux y jouer toute la soirée. Regarde, tu vois, là, par exemple, j'ai toute la partie là à sauter partout. Oh, j'ai trop envie. Mais on continue là. Tellement un bon gars. Regarde, pour la fête de la musique, j'ai mis de la musique à tout le monde là. Putain, maintenant quand il me remet son plus précieux trésor, je sais pas ce que c'est. J'ai obligé de voir ce que c'est. Thank you.
Portez-moi, serviteur. Ils veulent pas. Oh non, je crois que j'ai fini. Je ne vais pas partir. Il y a encore tellement de choses à faire dans ces niveaux. Mais bon. Ouais, t'as bien joué là quand même. J'avoue, pour une démo. Il y avait tout le côté gauche, j'ai pas exploré, il y avait plein de trucs. Il y a des trucs partout dans le jeu, c'est un truc de ouf. J'aurais aimé des Easter eggs, mais bon, ils peuvent pas vraiment faire ça. Parce que c'est pas un jeu d'un grand studio, donc tu peux pas avoir genre des pièces de Mario et trucs comme ça, ça aurait été trop bien. Oh, c'est fini. Au cours de l'été 2022. D'accord, en fait, tu récupères les pièces du vaisseau pour retourner. Le jeu, il a planté. Oh, il a déplanté, ça y est. Attends, moi, je retourne. Non, j'arrête. Mais vraiment bien comme jeu. Je crois il y a que deux niveaux dans la démo. Ah, parce que là, je crée mon vaisseau. Ah, attends, il y a des trucs là-haut. Attends, ça se trouve, il y a d'autres niveaux, là. Tu vois, il y a un niveau en bas, là. Donc déjà, ça fait 1, 2 niveaux. 3 niveaux. Là, il y en a un autre, là. Truc secret, je sais pas ce que c'est. Il est possible que la porte soit à niveau. Non, il n'y a pas de serrure dessus. Il y a 5 niveaux. 6 niveaux. 1, 2, 3, 4. Par contre, on dirait que tout le jeu se déroule dans la maison. Là, ça doit être sur le toit, tu vois. Ouais, bah écoute. Ah merde, je vais mourir. Ah, c'est du pollen. Bah, il dit que le comptoir l'attend, mais du coup j'ai mis les pièces, mais tu vois, ça m'a rien rapporté en fait. J'avais 800 fucking pièces, le mec il m'a rien rapporté. Y'a quoi d'autre comme jeu que t'as testé? Attends, je vais juste rentrer là-dedans, y'a quoi? Ah, ça c'est la fin du jeu. Ça c'est quand t'as réparé ton vaisseau. J'en ai pas testé d'autres. À cause de ce jeu. Mais vraiment excellent. Franchement, je retourne au menu d'accueil. Tinikin. Y'a quelques trucs qui sont un peu grossiers, genre l'écran d'accueil, je trouve grossier, tu vois. Je pense que ça aurait pu être mieux dessiné. Mais la musique est cool, il y a vraiment un beau feeling. Franchement, excellent jeu. Franchement, j'ai... Même la petite démo que j'ai fait là, j'ai kiffé.